Pour des raisons compréhensibles au cours de la vidéo, vous pourrez voir un smiley en haut à droite de l'écran qui permettra de retranscrire mon humeur. Merci de regarder la vidéo. Ce message a été enregistré par la voix à la con de Google Traduction. Et salut tout le monde, c'est Pixel 2004. On se trouve pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle chaîne GamerTime sur le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors, on se retrouve. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle chaîne parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo en solo. On a juste tourné du Terraria en multi. Donc voilà. Donc pourquoi sur ce jeu déjà pas sur du Minecraft comme d'habitude avant parce que Minecraft on a dit qu'on n'en ferait pas sur cette nouvelle chaîne, on s'est dit ensemble. Donc on se retrouve sur Zelda, donc c'est assez particulier Zelda, il y en a qui, beaucoup qui connaissent, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Ceux qui aiment pas, vous pouvez aller voir nos autres vidéos. Donc si ça vous plaît pas, tant pis. Mais voilà, donc pour ceux qui aiment du Zelda, on va faire du Zelda, parce que moi j'adore Zelda. Donc on se trouve sur Twilight Princess. Alors pourquoi Twilight Princess? Parce que au début je voulais faire Ocarina of Time ou Majora's Mask, mais comme je ne pouvais pas filmer la 3DS, j'allais pas vous faire les anciennes versions. Quoi que j'aurais pu, mais voilà quoi. Wind Waker je l'avais fait il y a pas longtemps, et ensuite j'avais pensé à Skyward Sword, mais je pouvais pas filmer à Wii non plus. Et voilà, et du coup on se retrouve sur Twilight Princess. Voilà, qui est un des seuls jeux de Zelda que j'ai pas fait. Et du coup voilà. Et d'ailleurs je vous ai passé la méga intro sans faire exprès. Donc on se retrouve sur Zelda. Et du coup voilà, donc on va s'appeler Link comme d'hab. Epona. Donc voilà, donc c'est le seul jeu que de Zelda, un des seuls jeux de Zelda que j'ai pas fait. Du coup on va le découvrir ensemble, on va dire. Sauf si vous connaissez déjà, vous pourrez me donner des conseils dans les commentaires et tout ce que vous voulez. Je vous écoute. Ah merde, je passe les dialogues un peu vite, c'est un peu con. Donc je vais vous lire les dialogues quand même. Donc le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. Alors lui, je sais pas qui c'est. C'est de là. Ah, attendez. Ah, on va dire correctement quand même. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne dois pas y aller à ma place. Comment on joue Link, hein, c'est notre personnage devant. Dis-moi. Tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique, et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. Et ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Il faut savoir que dans tous les jeux de Zelda différents, on ne joue pas le même Link. Sauf peut-être dans Ocarina of Time et Majora's Mask, mais pff, voilà. Tu devrais découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferons bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodan, ok. Donc Bodan, je connais pas du tout ce jeu. Donc voilà. C'est soli. Alors. C'est un peu long les cinématiques quand même, là, faut pas déconner. Que le mec s'en va, non respect.
Bon. Donc le jeu date de quand même animation, je crois, 2000. Attendez, j'ai pas la date. Non, j'ai pas la date. Oui, il date d'assez longtemps. Il est pas tout tout récent. Eh oh Link, tu es là? Bon, je fais pas du tout la voix. Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si j'étais pas là. Bon, alors le début, ça va pas être très épique, hein. Voilà, on va s'occuper des chèvres, apparemment. Hein? Où est Epona? Alors Epona, c'est le cheval. Je vais choisir le nom au début d'ailleurs. Mais le cheval s'appelle Epona alors. Il s'appelle Epona. Fuck, on change pas le nom. Ok. Alors, comment on joue? Ok, on a des pierres, c'est cool. Ok, donc on peut aller par là. Alors, c'est joli. Le mec, il arrive à peine dans un truc, il se faufile dans les tout petits endroits. Ça m'étonnerait que le cheval il puisse passer là-dedans, mais bon. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Si, non. Ah non, il est là, le cheval, d'accord. Faudra m'expliquer comment il est venu là. Qui est-ce? Oh, Link. Epona est prête. Je l'ai brossée et triée pour toi. Beaucoup de cinématiques pour pas grand chose. Fuck it. Bonjour. Je lis pas tout, c'est bon, j'en ai marre. Je lis que quand il y a des trucs importants de l'histoire. Ok, en fait, il y avait un vrai chemin et moi je me suis fait chier parce que dans le petit trou de merde. Ce n'est pas grave. Donc voilà, donc on est sur Epona. Donc au passage, les graphismes sont pas mal du tout. Mais ça, voilà, c'est pas les meilleurs non plus, parce que Skyward Sword était mieux, mais c'est normal, le jeu est sorti après. Voilà. On se trouve à Toile, donc ça a l'air d'être notre village paumé. Voilà. Ça a l'air d'être bien paumé, ouais. Il faut aller pour où? Je suis en train de repartir en arrière là, non? Non, c'est pas là. Ok, donc il faut s'occuper des chèvres, comme il nous a dit l'autre. Bon, c'est pas très épique, ça devient épique normalement dans les jeux de Zelda à partir du moment où on obtient une épée. Voilà, dès qu'on a une épée, après ça devient épique. Les chèvres ne mobilisent plus ces jours-ci. Désolé de te demander ça, mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec Epona. Ouais, c'est ça en fait, je suis en esclave, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps, alors tu peux commencer tout de suite. Non, si, mais oui, sinon tu vas me dire reviens plus tard. Bon, bah suffit de les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bergerie. Ok, j'attends. Ok, j'en ai fait rentrer deux, je suis trop fort.
qu'on peut crier, mais sauf là, ça sert à rien en fait, elles ont peur dès qu'on s'approche. On va aller tout au bout là-bas, voilà, on va rentrer les chèvres. Hop, 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 hop. Allez, rentrez. Voilà, il me reste une. La coquine. Eh, tu vas où là? Allez. Non! Je suis en train de me faire troll. Voilà, allez, tu m'écoutes maintenant. Voilà. Eh, rentre! Non! Mais arrête de me troll! Voilà. Donc, au niveau du temps des épisodes. Ça sera 20 à 30 minutes. Demain je vais me débrouiller tout seul. Repose-toi bien. Bah, j'espère bien que tu vas te débrouiller tout seul. Oh et maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement au saut d'obstacle avant de rentrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Ouais, donc ce jeu il a l'air d'être pas mal avec Ipona. Et voilà, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Quand tu auras fini, saute par-dessus le portail pour partir. Aucun problème. Hop là. Attends, il y avait un saut en fait, c'est ça le... C'est un truc de gitan. Ok, au revoir. Donc voilà, donc on peut taper notre cheval pour qu'il aille plus vite, c'est pas mal ça. Donc oui, on va sauvegarder. Voilà. Bon. Allez, deux bowling, c'est plus l'heure de dormir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, nous allons vite le savoir. On va descendre. Et... Merci. Voilà, on descend comme le gitan. Ah oui, là on est dans la cave, donc ça va pas le faire. Remontons. Ah, c'est par là. Voilà, donc en attendant... Ah, Link, dis, tu savais, toi? Il y a un lance-pierre au magasin. Non, mais tu te rends compte? Je me demande si c'est puissant comme arme. Il faudrait essayer. Si toi et ton frère vous en avez... Ah! Si toi et ton frère vous en avez tellement envie, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Mais il est trop cher pour nous. On ne pourra jamais se l'offrir. Allez, Anaïs. Tu veux pas aller l'emprunter? Allez, quoi. Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais. Vous n'avez pas... Ah, vous n'avez qu'à économiser votre argent de poche. Bon. Donc, à mon avis, on va voir un lance-pierre. Avec ce qu'on reçoit, le temps qu'on réunisse la somme, on sera adulte. C'est pas drôle, nous. C'est pas drôle, oui, mais je viens de rire. Nous, tout ce qu'on a dans la famille, c'est un moulin. Oui, on est des gitans. Ouais. Bon, en gros, il va falloir acheter le... Il va falloir aller acheter le lance-pierre. C'est sûr, ça. Il va falloir qu'on gagne des rubis. Et pour gagner des rubis... Alors, les rubis, c'est la monnaie du jeu. On les voit en bas à droite. On dirait des émeraudes, mais c'est tout. Et oh, Link, tu peux me parler de là où tu es en te concentrant sur moi avec L et appuyer sur A. Donc, on appuie sur L, L, c'est la touche de visée. Oui, c'est ça, je suis là. Là, là, là. Là, là, là. La 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 lolo Lily, ta voix porte bien quand même. Si tu vois mes mômes, dis-leur que pour parler avec les gens éloignés de soi, il faut fixer du regard avec elles. Bon voilà, c'est le tuto quoi. Ah, on peut pas, voilà. Ah, je pensais qu'on pourrait...
Voilà, les lancers, ça fait des rubis. Donc là, c'est un rubis bleu, ça vaut 5 rubis. Les rubis rouges, ils valent 20. Et ensuite, on a les violets ou pourpres qui valent 50. Bon, je vous fais la liste. Et au passage, il y a les argentés, c'est 100. Doré, 200. Vraiment, il y a les roupières qui en enlèvent. Après, ça dépend des jeux surtout. Il y a des jeux où c'est pas du tout la même valeur. Enfin, moi, je gaspille la nourriture. Ok, respect pour toi. Je te gaspille pas, je gagne des rubis avec. Alors. Voilà, encore des rubis là. Pour en avoir un peu partout des rubis. Alors, on va aller au magasin, voir combien ça coûte ce fameux lance-pierre. Je sais pas où est le magasin, donc on va trouver le magasin. Et une fois qu'on aura trouvé le magasin, on pourra voir combien ça coûte. Est-ce que c'est ça le magasin? Je suis sûr que non, mais c'est pas grave, je suis rentré dedans comme un peloss. Et si c'est ça pourtant? D'accord. Ah, c'est toi, Link. Elle a l'air endormie, elle. Tu n'aurais pas vu mon chien en venant ici? Ah, mais attendez. Peut-être que si on retourne son chat, elle va nous offrir un lance-pierre. Donc on va chercher son chat, que je ne sais pas où il est du tout. Where is the cat? On va faire une musique comme ça. Non, ce serait pourri. Alors, est-ce qu'il y a un chat quelque part par là? Mais là, le chat. Et reviens! Reviens, j'ai dit. Mais arrête-toi, le chat! C'est quoi ce chat gitan là? Allez. Comment on peut faire pour l'approcher? Et puis on peut le faire fuir comme ça, comme une chèvre. Oh non! Reviens là! Chat gitan! Mon dieu! Ouais. Bon bah avance alors. Mais dès qu'il me voit, il a peur de moi ce chat, c'est quoi ce bordel? Il me troll! Bon, si je mets des titres aux épisodes, l'épisode 1 s'appellera le jeu me troll carrément, parce que là voilà. Donc c'est peut-être pas comme ça, peut-être qu'il faut un appât ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, un truc à bouffer. Peut-être qu'il faut juste le faire fuir. J'en sais rien en fait. Là, ça me troll complètement en fait. Reviens. Bon. Est-ce qu'on va passer tout l'épisode à faire fuir le chat? Je ne sais pas. On va éviter, surtout qu'on arrive déjà dans les 19 minutes. Bon. Peut-être qu'on va faire une ellipse, non? Attendez. Attendez. Ah, je sais pas du tout. Le chat revient. Bon, vous savez quoi, ellipse hein? Parce que là, j'en ai marre de. Quoique, non, on va pas faire d'ellipse finalement. Parce que. On va juste chercher d'abord, voir si. Ah, quoique, ouais, ellipse. Parce que si on fait. Sinon, il y aura aucun truc intéressant dans cet épisode là.
J'aimerais bien qu'on avance quand même un petit peu, genre histoire qu'on ait des faits pour le prochain épisode. Donc voilà, donc ellipse. Ok, on reprend. J'ai peut-être trouvé un truc. Il y a l'autre folle là-bas qui s'est fait attaquer par des abeilles. Quand je parlais, donc peut-être ça avait un rapport pour continuer, j'en sais rien. Je ne sais pas en fait, j'ai tourné en rond, je sais pas trop ce qu'il faut faire. On va monter là-haut voir. Bonjour monsieur. Il faut pas gaspiller la nourriture. Ah. Bah voilà. Ah non, c'est aucun rapport. Ok, d'accord, une herbe qui fait. Ok, d'accord. Faut m'expliquer. Waouh! Ok, d'accord, c'est swag ça. Ok, mais j'ai aucun respect. Je lance des faucons sur les chats. Ok, d'accord, après il s'en va carrément. Bon, on va réessayer parce que j'ai tiré un peu trop bas. Je trouve que c'est pas ça qu'il faut faire, mais bon. On va passer ça, voilà. Genre, le mec il a droit à un faucon, tu sais quoi. Ah, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire quand même. On dirait que ça marche pas, là j'ai sûrement. J'ai essayé deux fois. Fait que bah, je suis à la cinématique. Alors, à ce moment, faut lancer sur les abeilles. Ah, peut-être c'est plus probable ça. Ok, attends, il y avait rien par là-bas, il y avait d'autres rochers, non? Je suis tombé comme une merde. Hello le chat. Bah, j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait au bout des rochers, je veux voir ou pas? On va voir vite fait au pire. Allo Jacques. C'est encore de l'herbe. Ok, fuck, ça sert à rien en fait, elle est tout au bout. Bon, alors on va aller voir ce nid d'abeille là-bas, ou de guêpe, ou de je sais pas. Ou de frelon. D'accord. Donc c'est juste cassé, on peut rien faire avec. Ouais. Peut-être pas pouvoir aller voir l'autre. J'aurais pas dû sauter dans l'eau. D'accord, elle est contente. Ok, ça m'avance pas beaucoup tout ça. Porte fermée à clé, d'accord. Ça ne m'avance pas beaucoup tout ça. Ah, attends, on peut grimper là. Ok, d'accord. Attends. Attendez les gens, voilà, on va grimper là-haut. Je pense que c'est ça en fait, qui est bloqué avec les autres. Et en fait, le chat il sert peut-être à rien, j'en sais rien. Bon, ça a l'air d'être un petit peu le bordel ce début d'aventure là. C'est pas sûr qu'on ait l'épée pour le prochain épisode, dis donc. Ça a l'air un peu long. Ok, alors Ruby Jump, ça doit être 10. Mais par contre, s'il y avait que des rubis, je me suis fait troll. Voilà, des rubis verts, c'est bien ce que je pensais. Ah putain!
Bon, il n'y avait que des rubis en dehors là-haut, mais je pense que je suis fait tout. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'on va lui retourner la voir, on lui dit qu'on a vu son chat, elle va être contente. Bonjour. D'accord. Je ne sais pas comment faire. Faudrait qu'on attrape ce chat. Bonjour. Ah, ça peut être intéressant. Putain, ils demandent tous des trucs là. On a vraiment des en agitant. Je sais même pas pourquoi je dis ça. On dirait qu'on est. J'en sais rien. Un esclave, ouais, c'est ça. Le mec, t'as pas vu ça? Tu veux pas faire ça? Va chercher mon chat. Tu veux pas nettoyer les abeilles? Rentrer les chèvres aussi. Ok, d'accord. Fuck! Ok, il fallait appuyer sur A en fait, je suis juste fait troll. Encore une fois. Alors, où est passée cette chèvre? Non, elle s'enfuit. Elle est partie par là, ça. Putain, on poursuit une chèvre, un chat, on cherche un truc pour un les gamins. Bonjour. Oh mon dieu, putain, pourquoi y a plein de choses à faire? Là, je suis perdu, là. C'est pas. Enfin, normalement, les débuts, c'est pas comme ça, c'est plus. Tu vois ce que tu dois faire. Là, je suis un peu paumé en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Ça m'embête parce que le temps il passe à côté. Ok, là c'est pas pour tout de suite, on dirait. On pourra appeler autre chose encore. Déjà, on a une Triforce sur la main. Ok, on peut appeler Epona. Mais là, elle veut pas venir. Parce qu'il est là-bas. J'avais pas vu qu'on avait une Triforce sur la main. Le mec, il sait même pas pourquoi il y a une Triforce sur la main. C'est pour ça que voilà. Ah, c'est pour ça qu'au début je voulais pas faire un jeu que je connaissais pas de Zelda parce que là c'est le bordel. Mais c'est pas grave, ça. On va trouver. On va trouver, on va faire quoi dans l'ordre? Faudrait retrouver la chèvre. Oh mon dieu, faut chercher le truc de la rivière, faut trouver un moyen pour attraper le chat. Ça, on dirait que je suis en train de jouer à occupe-toi des animaux.com. Il y a quoi là-bas? C'est quoi ce machin qui fait du bruit? C'est un singe. Et vous vous foutez de ma gueule, les gens là? Non, c'est un truc bizarre. Ok, il a le truc de bébé, le couffin. Non, c'est même pas un truc pour les bébés. Si, bon, je sais même plus ce que c'est, mais c'est pas grave, en tout cas, il faut que je récupère ce machin.
Oh, vas-y. Ok, je sais ce qu'il faut faire, faut lui balancer une pierre dans la tête. Genre en mode. Yalla! Ah non, même pas. Peut-être qu'il faut le lance-pierre. Pour avoir le lance-pierre, il faut avoir le chat. Ça me saoule. Hein. Bon, ellipse. Donc, on se retrouve. Toc. Donc, ça, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Bon, je me le dis. Bon, cet épisode 1, ça va être un peu le bordel, je sens. Voilà, il faut retourner là-bas. Oh, troll. Oh, t'as pas fini de me troll le jeu là? Non, même pas passé. C'est un peu le bordel quoi le début. Quoi qu'en même temps dans Majora's Mask c'est le bordel aussi au début. Alors. Donc là il me dit qu'elle elle est pas là. Et après, on va se débrouiller. Alors on va aller où? On va essayer le truc du lance-pierre. C'est pas donc top non c'est pas ça si attendez j'ai peut-être une idée si j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée si on monte là-haut. On a vu qu'on pouvait aller tout au bout, ça servait à rien. Enfin, c'est ce que je pensais. Hop là. Ah. Impossible de passer, c'est super. Voilà, là on peut passer. Voilà, on va essayer ça. Yeah! Faut que je le trouve quand même. Super, j'ai récupéré un couffin. Ça me sert absolument à rien. Ça, c'est tellement pas épique. Alors, tiens. Cherchez pour moi, merci beaucoup. J'ai oublié, j'ai quelque chose à te donner. Viens me raccompagner chez moi. Ah. Tu veux que je vienne chez toi? Oh, mais speed un peu. Il y a le chrono qui tourne d'ailleurs, ça fait plus de 30 minutes. J'ai envie de voir ce que elle va me donner quand même. Hop là. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai fait juste te donner ça. C'est pour toi. Une canne à pêche. Wow, c'est tellement épique comme premier objet. Ok. Donc on va la signer. Alors où est-ce que la pêche? D'accord, elle est quand même pas dans l'inventaire, c'est normal. Non, ah, objet. Ok. Ok. Objet c'est là, d'accord. C'est pas dans l'inventaire. Il n'y a pas de problème. Et du coup je pense que comme l'autre des auditeurs qui fait des pêchés, enfin que le chat essaie de choper un poisson, peut-être comme ça va marcher. Enfin faut que ça ait un rapport parce que sinon. Enfin, sinon c'est la merde quoi. Ok, fuck it. Alors, voyons voir.
comment on fait pour pêcher? On fait comme ça. Et quand c'est mort, on fait quoi, on tire? Ça vient tout seul, c'est ça? Je ne sais pas comment ça marche. Ok, d'accord, mais non, en fait, comment on pêche? Ah, moi je vois bien. Ah, là, on voit bien que. Là, c'est mort. Et on fait quoi quand c'est mort? Faut pas appuyer sur un bouton. Si on appuie sur A, ça fait rien, c'est la merde si on appuie sur A. Peut-être qu'il faut attendre plus. On va attendre. Encore. On va s'apprêter à appuyer quand même s'ils nous disent d'appuyer d'un coup. Ok, je pense qu'il fallait appuyer quand il a marqué sa mort. D'accord, ce n'est pas important. On va retirer. On va attendre. Pouh, bah, en tout cas, enfin là, j'aime pas du tout le début. Hein. Je sais pas. Normalement, c'est plus cool que ça. Le début, là, c'est un peu chiant. Même carrément chiant. Ok. Attends, mais ils ont fait exprès, quoi. Mais ils ont foutu tous les boutons sur des touches random, quoi. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Oui, j'ai eu un poisson. Il y a un BG. Voilà, donc on peut pas l'attribuer. Voyons un peu. Carnet de pêche, oh, c'est cool. Ah, lui, il veut bien le poisson. Allez, viens avec moi. Viens avec moi le chat, voilà, ça commence peut-être à devenir intéressant. Viens avec moi, nous marchons sur la route. Putain, je commence à péter un câble. C'est pas important. Voilà, voilà. Bon, faut que j'arrête l'épisode là, je suis désolé les gens. Le chat il est même pas rentré. Bon ouais, on ramène le chat et après on arrête parce que voilà, sinon je vais péter un câble et en plus l'épisode sera trop long et ça va me faire encore plus péter un câble. Donc le chat est passé où en fait? Oh mon dieu, je sens mal. Viens moi le chat, voilà, tiens. Ça. Viens. Et rentre dans ta maison. Et rentre dans ta maison, le chat. Mais pourquoi il veut pas rentrer dans sa maison? Pitié. Pff.
Comment faire, comment faire? Pourquoi il me suit maintenant? Je comprends pas. Peut-être qu'il faut empêcher un autre. En plus, il n'y en a pas par là. Ça sent le troll ce jeu. Oh mon dieu. On va essayer d'empêcher un autre. Et au passage, j'ai revoir un truc. Allez, tire, tire, tire. What? Il m'a volé mon poisson, le chat. Bah, au moins ça a marché, j'espère. Oh là là, c'est pas trop. Oh. C'est pour dire s'ils vont être chiants, ce premier épisode. Donc, en attendant, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 41 minutes. Donc je pense que ça suffit largement. Surtout pour ce qui se passe là. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Même si bon voilà, même moi j'ai failli péter un câble, alors vous je ne pense pas que ça vous aurait beaucoup plu. Mais les épisodes prochains seront mieux, je pense. Beaucoup mieux. Beaucoup beaucoup mieux. Parce que voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Laisser des commentaires. Pour me dire si vous êtes content que je fasse ce jeu en vidéo. Si vous trouvez que le début est chiant, voilà, juste comme ça. Hein. Parce que moi j'ai trouvé qu'il était très chiant. Comparé au début de Ocarina of Time où ça va très vite, on a direct une épée et puis hop. C'est mon préféré que Ocarina of Time, comme d'hab. Mais j'ai pas pu le faire comme je vous ai dit parce que voilà, je pouvais pas filmer la 3DS et que j'allais pas vous faire les anciennes versions. Parce que sinon voilà. Au niveau des graphismes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, le Let's Play de Raph sur Pokémon ou nos vidéos ensemble sur Terraria. Ou voilà, ou attendez les autres Let's Play quand ils sortiront sur GTA 5 Cube World. Voilà. Et donc, on se dit rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!